Moi, saluer tous auditeurs et auditrices émission Ramadjo. Moi, remercier tous abonnés à la chaîne YouTube ça, qui est toujours branché et toujours présent, qui a encouragé l'émission ça. Et moi, encourager nous plus pour nous abonner à la chaîne ça. Bien, je vous dis, frère, nous, ma chanteur Bouillard, garde débat un gros sujet ensemble avec nous dans l'émission Panoua qui c'est Ramadjo. Le sujet aujourd'hui c'est coronavirus, yon gourmé en grande puissance contrôler force ténèbres sous terre. Coronavirus, qui ça li gagne qui derrière? Pour qui ça la vie phénomène ça? Qui dimension phénomène ça? Côté phénomène ça, mené mon blanc, pour qui ça, dans l'histoire virus à pandémie, virus ça arrivé, fait des exploits et réaliser des bagailles que un pile virus a jamais réalisé dans le monde. Bien, avant de rentrer dans le sujet, hein, pour commencer par expliquer que nous arrivons dans la phase, nous arrivons dans la dimension, dans l'histoire de l'humanité, côté qu'il y a des forces qui ont extériorisé. Forces d'abord occultes. C'est des forces occultes, des forces, nous capables de dire, invisibles, qui intérieure à la planète noire, et en même temps qui extérieure, qui donne cosmique. Forces nous arrivons dans un moment, il faut extérioriser. Parce que l'humanité, d'un côté, elle commence, et d'un côté, elle doit finir. Finir, c'est pour un recommencement. C'est pour une régénération de toute bagaille. Pour qui ça, je vous dis, d'un particularité, en tant que phénomène ça, par rapport à tout l'autre phénomène que l'homme vive déjà. Grippe espagnole, hein? Donc on dit ravage des effets. Dans les années 1918 jusqu'à 1920, nous avons une quantité énorme de monde que l'on a tué qui dégave. Nous vivons le phénomène sida, nous vivons plusieurs virus, Ebola, nous vivons SRAS, nous vivons un paquet de pandémies et un paquet de virus dans le monde. Là. Journée aujourd'hui, qui particularité virus ça qui est en rapport à des forces et des symboles qui cachent derrière. Ma profite pour nous dire que dégâts bagages ça fait. Pas oublier la première édition sur coronavirus. Dans Chanel ça, nous te parlons de comment virus apparaît. Nous te parlons de plusieurs souches virus ça. Pour nous dire comment constituer nos approches kabbalistiques qui liées à un soleil obscur. Eh bien, il y a des faits qui a prouvé ça. Premièrement, nous avons un grand virologue, un grand scientifique, un grand chercheur français qui est Luc Montagnier. Eh bien, monsieur clairement dit que le virus est une combinaison de SRAS. Coronavirus avec VIH-Sida. C'est-à-dire une séquence de VIH-Sida qui minime, qui en tant que coronavirus, qui lui-même réellement est originé dans la chauve-souris. L'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires. Sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, c'est-à-dire que j'arrivais à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouter des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Bien, nous étions là.
on nous commençait par l'eau de animal. Pour qui ça, chauve-souris? Chauve-souris, faut nous ouvrir mon paquet de virus qu'on a, surtout coronavirus, bien antivirus, SRAS, tout ça. C'est des virus qui sortent dans la chauve-souris. Chauve-souris sont animal qui est toujours un animal mystérieux. Un animal que nous-mêmes qui vont regarder les films vampires, nous voyons qui souvent paraît dans les films vampires. Les chauves-souris sont animaux qui fonctionnent, qui évoluent lorsque il fait noir. Ça veut dire dans l'obscurité, dans les ténèbres. Bien, chauve-souris, c'est un symbole qui permet la maîtrise, le contrôle de force ténèbres. Ça veut dire que, nous comprenons, tout empire, toute puissance qui voulait gérer force ténèbres sous terre, il faut que vous gagniez un animal ça comme symbole. J'ai bien des puissances d'antan qui te gagnent d'autres symboles. J'ai gagné des puissances qui gagnent plusieurs animaux. Et qu'un coup, j'ai sanglié et te joué des rôles et des forces mystiques. Ils ont été symbolisés que nous avons même trouvé sous des monnaies que des peuples te conservés ensemble. Eh bien, il faut nous questionner, nous dire, parce que gagner des effigies, gagner des symboles, gagner des images que des peuples a mis sous monnaie, il faut nous questionner. Nous gagnons particulièrement les valeurs américaines. Ça, nous sommes capables de bouder dans le langage par nous. Bien, moi-même, je profite pour nous dire que c'est des bagages qui ont une force capitale. Parce que je dis nous, dans la jeunesse, nous avons besoin de gagner dans des jeux d'hasard. Pour que normalement, pour surtout ça avec les bouts de câble, nous devons utiliser pour nous chauffer. Nous devons utiliser pour nous passer dans le cigou miel, nous chauffer, nous mettre sous table, le map de poker, nous devons faire 13 coups affilés. Mais automatiquement, 2-3 fois, nous devons dû pour nous réchauffer et pour nous dire langage. Nous devons guider les migrations et nous devons gérer notre dimension. Et c'est sous corps-là que je mets toute dimension mystique pour me mettre. Ça veut dire que, si vous avez une pièce de monnaie pour vous porter sur vous, vous êtes capable de porter chance, de porter bonheur, de porter un paquet de bagages. Donc, une pièce de monnaie, ce n'est pas un bagage comme ça. C'est pas un bagage que vous prenez à la légère. C'est pas un bagage petit que lui. C'est un rapport à toute connaissance, ça. Sur question de monnaie, qui n'est pas seulement lié à l'expérience personnelle, mais nous autres parlons là, que nous faisons en rapport avec quoi nous autres parlons là, qui a effigie ça, que l'Américain a été, qui a changé pour 2020. Mais je profite tout si aller dans le bagage. On peut le monde toujours poser des questions pour qui ça, monnaie noire après coup, il y a lié la production. Nous n'avons pas de problème à ça. Ça, c'est le côté pratique, réel, scientifique que nous avons parlé. Mais sous plan mystique, je dis, je dis, il faut nous demander de nous question pour qui ça va marcher, nous allons dégoûter, nous allons c'est comme, nous pas sous prendre dans le monde, nous décourager avec. C'est comme si nous avons dit, consommateurs, tout le monde, c'est comme, nous allons c'est comme, nous pas sous prendre. Je dis, nous n'avons pas qu'on est refus pour monnaie ça, qui pipitio. Son refus pour d'accord que marchandises qui vendent là-dedans et tout. Eh bien, dès que vous déparez à ça, que vous avez regardé là, à l'aucun, résident ici déparez à elle, ok? Et puis, vous avez déparez à elle, ben c'est pour le déconner, ça le dit. Comme on étoile à 7 branches, qui ont 7 côtés, ou carré le tout septagone, le ou bien ça, vous mettez chiffre 5 dans la mi-temps. Et Ptagon nan vle di sa vle di. Li vle di tout bagay. En rapport à chiffre 7 nan, li vle di la totalité des choses qui lié à l'espace, le temps, la matière, l'énergie, les trois règles. Li lié tout à quatre éléments et les trois règles, minéral,
végétal, animal. C'est-à-dire que soit représenter totalité non bagay, est-ce que vous comprenez qu'il y a forme ça, eh bien, le ça pour obliger à respecter non blanc. C'est-à-dire que l'homme a sa forme, on peut tout l'autre côté, et d'Arjunie et Mounelli, vous faites de façon circulaire. Soit vous faites en argent, métal, ou bien vous faites en cuivre, qui c'est 500, c'est-à-dire que vous gagnez façon de faire. Et l'homme circulaire, on va regarder sur circulaire. Il y a tout commence par la fin, ou qu'on met tout nombre là-dedans. Mais lorsque vous prenez l'heptagone, vous mettez le comme ça, et vous mettez l'effigie qui est sous la peau, pétion, est-ce que vous comprenez? En moi, pétion là-dedans, vous mettez le symbole, avec même bon effigie en sous tête parmi ça, ben c'est vraiment. Ou bon bonne volonté de gagner, mais la volonté de gagner, bien, et déranger monnaie mystiquement dans sa monnaie caractérisée. Depuis lors, pas de monde qui voulait aller plus bas que ça dans la prière fait. Ou pas de maquette, il apparaît pour vendre un bagage, pour tout, bon goutte, deux gouttes, trois gouttes, ou bien 50 copes, 5 copes, 10 copes encore. Bagage sérieux, ça c'est pour un fin. Moun ba supporter question monnaie qui pi ba que ça et tout bagay commencé à partir de 5 gouttes ça bon rien pour monnaie que nous te gagné avant ça bien faut aller chercher pour nous qui ça le dit si n'a valoriser monnaie nous est-ce que pipiti unité monétaire en fond pas considérer est-ce que 500 toujours 50 pour nous si c'est ça lié la vle dit que contrat nous te gagné qui te fait que 5 gouttes pour 1 dollar est toujours pas là bon paquet de questionnement ça veut dire que monnaie ça ou un pays qu'on est à changer et on a qui ça on va faire face eh bien normalement les États-Unis donc les sous ça la sorti puisque les personnes sourient les maintenant moderne tout le monde a côté sourire. Bien, chauve-souris, pendant que mal dans la donne, il y a une réparation mal dans la donne. Ça veut dire que l'on sorti. Nous-mêmes, là, nous faisons monnaie par nous, il faut nous dire ça, ça veut dire. C'est très important. Bien, nous, pendant que le coronavirus, il dit que l'on souche dans chauve-souris, drôle de coïncidence, le peuple américain a changé effigie, il a changé image qui est dans le quadrant, non? Mais si nous vérifions, nous tapons image, quadrant et peuple américain pour 2020, changement de fait, c'est une chauve-souris que limité. Ok? Tandis que dans le langage anglais, on a dit son bat. C'est une chauve-souris en anglais. Bien, il met une chauve-souris, hein? C'est pas sans raison. Il met une chauve-souris. Hein? Est-ce que vous prévoyez que l'animal ça a un effet sur la vie sociale du peuple américain? Pour qui ça? Chauve-souris. Eh bien, c'est pour nous faire comprendre. Ce n'est pas un fait d'un simple hasard. Est-ce que ça veut dire que c'est américain qui vient à coronavirus? Loin de là. Mais en principe, ça dénote, ça montre bon goût pour contrôler. On sait de force obscure dans le monde. Parce que, bien, Jean-Luc Montagnier dit là, coronavirus, c'est un virus que normalement, que vous jouez, qui est fabriqué dans le laboratoire à Wuhan. Ok? Laboratoire chinois à Wuhan, non? Qui fabrique le coronavirus, ça veut dire que ce bagage que vous créez dans le laboratoire. Pas de menti dans ça. Eh bien, c'est une façon pour nous connaître que force mystique, pas de jouet là-dedans. Mais le coronavirus, c'est un virus qui paraît à une puissance qui gère ces ténèbres. Un, il y a toute une série de phénomènes que nous habituons avec, que quelle que soit maladie, et j'en ai dit dans la première édition, même guerre mondiale, pas créer terreur. Virus ça a créé. Pour qui ça? Qui secret caché derrière tout ça? On regarde bien. Un, virus ça a suscité une peur. J'aime te dire, peur ça a que le suscité,
même une guerre mondiale qui passait déjà dans deux grandes guerres, pas suscité le cas de toute nation. Le virus a suscité une peur que, quelle que soit la pandémie qui passe sous terre, pas suscité qu'à l'autre nation. Le virus a une propagande autour de lui-même. Pour qui ça propagande ça? À qui ça a abouti? Le virus a son virus lancé dans un objectif pour rebalancer l'humanité. Remettre à zéro, mettre pendule à zéro pour redémarrer et redémarrer, recommencer tout bagage. Eh bien, symbole chauve-souris même, c'est un animal qui a une capacité tout pour détruire lui. D'ailleurs, en rapport à vampire, là où est monsieur Aboisson, sans bon capacité qui permet de régénérer et vivre longtemps. Donc souvent, où est-ce qu'on a vu vampire? C'est pas sans raison. Je montre. Et recherche scientifique qui fait réellement accepter que un monde qui est pratique de boisson, il gagne en puissance pour rajeunir mon nom sans gagner des propriétés la dedans qui est capable de rajeunir mon nom. Et bien c'est pour ça que monsieur Illuminati, yo même, yo boisson qu'il y a menstruation femme. Parce que il y a des cellules souches, il y a des forces et des cellules souches dans le sang, genre menstruation femme, qui ont capacité pour régénérer dimension dans et permettre une certaine longévité. Ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est pas un bagage qui a fait comme ça. Et c'est pas ça qu'ils ont tout recherché montrer que contrairement à ça, on dépensait que le coronavirus est capable d'avoir un impact au niveau de poumon en soi. Ils ont fini par dire est-ce que ce n'est pas mauvaise maladie à traiter. C'est des sujets qui débattent parce que ils ont même moins que lorsque nous n'avons pas respiré avec question ventilateur, leur mettre nous dans la respiration artificielle, les plus détruits pour moi parce que ils ont contrôlé, ils ont vu que, eh bien, normalement, le virus l'attaquer, globule rouge, qui lui-même gagne une capacité pour drainer et porter oxygène dans le sang. Eh bien, c'est tout ça qui provoque un manque d'oxygène, qui attaque l'organe, ça qui c'est pour moi. Ça veut dire que yon virus qui opéré directement dans le sang. J'en ai un symbole vampire, ils ont absorbé, ils ont nourri deux sangs hein, pour régénérer tête. Eh bien, force de régénération en rapport à monde là, qui gère sous ténèbres et qui c'est symbole qui est lié à Animalza, lui retrouvé dans une pièce de monnaie que Américain sorti uniquement avec effigie ça pour année 2020. Ça signifie que vous voulez nous comprendre que bagaille ça, maladie ça, il cache toute une série de symboles et toute une série de forces mystiques derrière que nous ne pouvons pas que l'homme prêt pour imaginer qui continuité qu'il a fait à causer ça. Jusqu'à un moment où on n'a pas la parole, bien, tout le monde l'a paniqué. Je te prévois pour nous dédier après date 5 avril. Mais qui ça qui peut le faire? Je te prévois pour nous dédier la date 8 avril. Un rapport à pleine lune 8 avril. Comment émotion et comment confinement peut poser problème? Nous vivons ça aux États-Unis. Nous gardons déjà extrémistes qui ont bouqué à confinement. Nous gardons dans plusieurs pays qui problème ça a commencé à poser. Bien, normalement, coronavirus, c'est un virus qui partit. Et partir, c'est pour vaincre tout un ensemble de systèmes qui étaient là déjà. C'est un virus qui part à la conquête du monde. Ça veut dire que, réellement, l'IVE, compréhension que nous avons de religion. 2. L'IVE, compréhension que nous avons de système de santé. Par bon ensemble de puissances que nous connaissons des solides, qui permettent que nous gardions aujourd'hui à garder un bio, qui montre que en quel monde souterrain et en quel côté pour comprendre. L'IVEC, question économique, pour montrer que ressources que nous avons utilisées, ressources fossiles, ça,
qui c'est pétrole, qui fait pouvoir à puissance, grande puissance, ça, c'est les États-Unis, qui va gagner longtemps là, il vient dans la première, la grande puissance exportateur qui a exporté pétrole dans le monde là, ou bien ressources fossiles, ça, qui te fait politique, président Donald Trump, actuellement est en question. Nous revenons point dans la question pétrole. Côté que le descend au niveau le pas jamais déyé, nous revenons point. Côté que il y a des phénomènes qui ont fait qui pas jamais défait. Moun qui a des contrats avec une série de gros compagnies qui ont exporté pétrole, qui ont des brouillards pétrole physiquement pour rentrer la caille, qui ont des avec $20 par là, moun sa yo, yo paye coblan juste pour yo abandonner et quitter contrat, quitter pétrole dans le même RP. C'est-à-dire que vous avez payé pour ne pas prendre le pétrole. C'est-à-dire que vous montrez dans quelle dimension le bagage a tombé. Et les ressources énergétiques, ça, qui fait moins de la fonction, que le système mondial, le système capitaliste, qui a dépéri, qui conséquence il va gagner à l'avenir. Bien, c'est toute incertitude, ça. Toute remise en question, ça. Qui a fait là, qui fait que vous réparez déjà pour n'attendre un sauveur. C'est toute remise en question ça qu'a fait là, sur plan santé, plan économique et autres, qui préparent nous pour avoir une puce électronique. Parce que, ou même, ou de mettre pasteur, ou de mettre des prêtres, ou de mettre des comptes, tout ce qu'on est de l'Apocalypse, tout ce qu'on a une sensibilité, il faut qu'on voyage, tout ce qu'on a une sensibilité, il faut qu'on fonctionne économiquement, eh bien, c'est bien dommage, on va obligé de prendre sous ça. Marc maintenant et puce électronique ça et coronavirus l'a abouti à tout ça. Est-ce que virus ça baille pour permettre un empire ou une puissance émancipée? Nous croyons que oui. Nous avons caché des virus. Mais caché des virus ça, n'a profité pour nous dire une grande vérité. C'est une puissance qui a une capacité technologique avancée que l'humanité pas capable supposé et qui va paraître là avec technologie ça, mais avant d'ébrouiller le monde à découverte ça, découverte inédite ça, que puissance à faire, il faut que créer un chaos, un chaos mondial, et c'est lui ça comme premier plan, comme premier pion que puissance à déplacer et pas capacité pour faire simulation dans le temps, pour prévoir sa carte privée dans le temps. Et possibilité technologique, ça permet que monsieur Okakone, chaque nation, a réagi en fonction de ça ou la guerre. Le coronavirus a fini avec l'Occident. L'a fait, l'Occident met à genoux. Jusqu'à présent, l'Occident va prendre côté le gars. Tout le monde actuellement a accusé la Chine. Alors, la dernière à avoir réagi, c'est Angela Merkel. La chancelière, elle aussi, réclame de la transparence sur la genèse du virus. La première charge, sans surprise, est venue des États-Unis. Là-bas, les accusations contre la Chine sont livrées sans détour dans les médias. Vous allez l'entendre. Myriam Zéhar et Nicolas Baudry-Dasson. La Chine est hors de contrôle. On ne vous laissera pas détruire ce pays et notre modèle de vie. On a travaillé trop dur, on s'est battu trop longtemps pour perdre face au virus de Wuhan. Oui, je le dis, la Chine est au tout courant et a ouvertement menti à ce sujet. C'est une petite musique récurrente aux États-Unis. La Chine a menti. Un message martelé sur la très conservatrice chaîne de télé Fox News, mais aussi dans les couloirs de la Maison-Blanche, où Donald Trump n'a cessé d'accuser Pékin de dissimuler la vérité. Cela se serait beaucoup mieux passé si on avait tout su quelques mois plus tôt. Ils auraient dû nous informer. Leurs chiffres semblent un peu sous-estimés et je suis gentil quand je dis ça, étant donné ce que nous avons vu et ce qui nous a été rapporté. Des accusations d'abord sur le nombre de morts en Chine, notamment après ces photos. Elle montre de longues files d'attente de personnes venues chercher les cendres de leurs proches et des piles d'urnes funéraires attendant d'être récupérées. Vendredi, les autorités de Wuhan admettent un bilan à la hausse. Il y aurait eu 1290 morts supplémentaires.
Il y a un total cumulé de 4632 décès et un total de 82692 cas confirmés. Mais pas de quoi convaincre Donald Trump. La Chine vient d'annoncer le doublement du nombre des morts causés par l'ennemi invisible. Il est bien plus élevé que cela et bien plus élevé que celui des États-Unis. D'autant que les doutes sont nombreux, sur les morts donc, mais aussi l'origine du virus. Le temps qu'ont mis les autorités chinoises à alerter sur sa contagiosité. En France, dans une interview au Financial Times, Emmanuel Macron s'interroge. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Selon une revue scientifique de référence, le gouvernement chinois exercerait ces derniers mois un contrôle strict sur la recherche autour du virus, au grand regret des chercheurs étrangers. Des lanceurs d'alerte seraient portés disparus ou réduits au silence. Alors, comme Emmanuel Macron, Angela Merkel regrette que la Chine ne joue pas le jeu. Plus la Chine rend compte de manière transparente de la genèse du virus, mieux ce sera pour tout le monde sur cette planète afin d'en tirer les leçons. Des critiques des pays occidentaux et à Pékin, un démenti très ferme. Les doutes sur la transparence de la Chine dans la prévention et le contrôle de l'épidémie ne sont pas conformes aux faits et ne respectent pas non plus les grands efforts et sacrifices faits par le peuple chinois pour la prévention et le contrôle de la maladie. Et la polémique a atteint l'OMS, accusée par les États-Unis d'avoir pris pour argent comptant les données chinoises autour du virus et d'avoir tardé à réagir. Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source, avec très peu de morts. Donald Trump a donc décidé de suspendre sa contribution à l'autorité sanitaire. Près de 500 millions de dollars, soit 22% du budget annuel de l'OMS. Vous commencez par tomber d'accord sur ça. Bien, donc là, sur ça, nous te prévoir et nous te dis, prévision astrologique qui est liée à tout l'ensemble de bagages qui nous passent en rapport avec le sang dans la chaîne, lui montrer que nous allons entrer dans un conflit mondial, dans une guerre mondiale. Ma profite pour nous dire, sans citer non, que puissance qui cache des coronavirus, lui passe au gourmet à un ken, parce que la philosophie, il dit, ou qu'on qui l'a entré dans la bataille, ou par contre qui l'a sorti. C'est ça, un grand empereur, un grand général, 4e siècle avant Jésus-Christ, te dit, et n'a eu qu'un bel, il a maintenu doctrine ça. Ça veut dire que, technique de guerre, meilleure façon pour vous gommer stratégie de guerre, c'est affaiblir l'ennemi sans pas déclarer la guerre. Puissance ça, qui derrière coronavirus, eh bien, lorsque vous voulez qu'on vient armer, il n'y a pas fait la voie. Ou à pas cuisiner le jour d'hier, la médecine n'a même l'autre puissance, qui c'est Iran, Jean Kabbal Langrévoile, et Jean Bible Crédible, Iran, ancien pays, qui est l'Iran aujourd'hui. Eh bien, c'est une nation cible. Pour que puissance là, qui cache derrière coronavirus, voyez à gourmet et mes bagailles dans même pour gourmet à nous, pour faiblir ennemi que vous ciblez, vous voulez faiblir, dans gourmet à puissance là. Ça veut dire que je voulais vous dire une chance pour nous attendre toute stratégie qui cache derrière coronavirus. Coronavirus, c'est un virus mutant, un virus intelligent. Un virus qui a une capacité pour dormir pendant un certain temps, pour le réveiller après un certain temps. Ça veut dire que le tout nous a connu tout le bagage passé, en bien une vague qui peut remonter, le ça, tout le monde a conscient, plus de 70% de la planète, prêt ça déjà, on y a une proposition de guérison et de traitement, sinon, ou pas capable de vivre.
sinon ou pas capable d'échapper. Pression coronavirus, la mène dans l'autre dimension. La fait l'humanité pour une autre civilisation. C'est pour un bagage petit, marqué et songé dans Ramadjou. Frère, en Tchidouyote, Julie, coronavirus commence son bagage qui a mené jusqu'à fin mandat.